C'est sous un ciel bleu et totalement dégagé que se tenait ce matin une séance de signature entre les représentants des médias locaux et le préfet. Philippe Gustin, qui a conclu avec plus d'une dizaine de médias un partenariat pour la diffusion de spots d'information sur la conduite à tenir en cas d'alerte cyclonique, nous explique sa démarche. Parce que chacun doit jouer sa partie dans la politique de prévention, mais aussi de préparation des phénomènes naturels. Et s'agissant des médias, ils sont un acteur incontournable pour permettre d'informer la population, les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, de ce qu'il faut faire pour se préparer à affronter un phénomène cyclonique. C'est l'objet de la convention signée aujourd'hui en partenariat avec la plupart, même la totalité, des médias de Guadeloupe. En juin dernier, la préfecture mettait déjà à disposition des administrations et collectivités des dépliants et prospectus sur les thématiques « se préparer et se protéger ». S'ajoute donc à cela un spot audio correspondant à chaque niveau d'alerte en cours. Cyclone, alerte jaune, coûte pouton. La préfecture a demandé aux autres d'écouter les consignes de sécurité. Yon, coûte pouton, Jean Cyclone l'a développé. Rete écouter toutes nouvelles et informations que la météo cabane. Un dispositif qui voit le jour tout juste un an après le passage du cyclone Irma qui avait fait de nombreux dégâts sur l'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. S'agissant du sujet qui nous occupe aujourd'hui, on voit bien que s'il y avait eu une meilleure information et une meilleure préparation de chacun de ceux qui ont été frappés par ces ouragans, on aurait pu en minimiser l'impact. Et ce partenariat colle au plus près de l'actualité puisque la Guadeloupe et la Martinique sont en vigilance jaune depuis ce matin. J'ai déclenché ce matin l'alerte jaune. Nous aurons cet après-midi une réunion avec l'ensemble des services de l'État, les opérateurs, mais aussi les collectivités locales pour s'assurer que tout est en ordre pour faire face demain à ce phénomène qui pourrait arriver dans les jours qui viennent. L'ouragan Isaac qui devrait traverser les Petites Antilles dans la nuit de mercredi à jeudi.